Et salut tout le monde, c'est Spico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu, un jeu de stratégie un peu comme TFT. Bon, de toute façon, il y en a plein, hein, mais celui-là, je le trouve intéressant. Donc, il s'agit de Warhammer Age of Sigmar Soul Arena. Donc, on va faire une partie, c'est parti, let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Ça, c'est quoi ça comme. Attends, de toute façon, on va prendre deux de base. Pour remplir le plateau. Ça c'est quoi ça? Le prend des gemmes à l'adversaire lors d'une manche perdue. Des gemmes. En prenant 3 gemmes d'adversaire pour le jou. Pour le au joueur si une manche est perdue. Ok. 3 gemmes. Ouais, à voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant en début de game. Donc là à ma gauche, vous avez mon perso. Il y a chaque héros. Enfin, il y a plusieurs héros que vous pouvez sélectionner qui ont différents atouts. Donc moi, si j'ai très peu de vie et que je perds, je ne serai pas éliminé ce tour. Je serai éliminé au prochain tour. Les autres, je connais pas, je les ai pas testés. Je garde celui de base pour l'instant, ça me suffit largement. Ok, bon là j'ai perdu, c'est pas un problème. Donc là, on a quoi là? Attends, tac. C'est un combattant? Ouais, ok. On va tester ça, gagne une chance de réaliser une double attaque. Chasseur. Là j'ai pas d'autres chasseurs. Ça fait combien ça? 15, 30, 50% de chance, ok. Stand strong, brothers and sisters. Sigmar is with us. Ça je vais prendre, c'est intéressant ça, ça peut être utile hein. Donc ça on va le virer. Voilà. Tac, on va le vendre. Hop. Ah j'aurais dû améliorer en vrai. Bon c'est pas grave, on le fera après. Lui il faudrait que je le buff, mais il faudrait que je mette plein de trucs, vous allez voir. Alors, il n'y a rien d'intéressant. Non plus. Bingo, ça. Voilà. Donc là, on va laisser comme ça. Donc là, on a 15% de chance de faire une double attaque. Je rentre plus haut là, j'ai de quoi faire en vrai. Quand on en a un deuxième, ça c'est nice. On va virer lui. Voilà, c'est à distance, donc on va essayer comme ça. Toi, on va te. Est-ce qu'on va te vendre? Moi j'ai envie de mettre ça max. Donc ça, ça nous fera en gros 6 euros. Il peut être ressuscité lui? Je sais pas. Ouais non. Les joueurs se sonnent à la fin de chaque manche. Ah c'est genre notre héros, c'est sympa ça. Ok. Merde mais il était là tout à l'heure en plus putain. Ok là j'ai elle. On va mettre de côté, lui c'est celui-là. Toi je vais te vendre, on verra plus tard. On va up. Merde, j'ai pas eu le temps.
qui a mangé Wynn. Ça a marché mon up, hein? Ouais. On est combien pour l'instant? On est premier. Ok, donc là on est sélection de cartes, donc je suis dernier évidemment, donc je vais la dernière carte. Du coup, toi, c'est quoi? Ça attaque à distance je suppose? Ah non, ça met, ok. Voilà, donc on a l'unité des ennemis, on a une chance d'attaquer leur propre ennemi à 5%. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Signité avec le buff survie à la manche, le capitaine ennemi subit plus 4 points de dégâts. Bah... Ah non, je peux pas le mettre là. Lui, c'est vitesse d'attaque. En vrai, je pense que je vais prendre celui-là. On va le mettre de côté. Why don't you come over and try to pet my Drakoth? 10% vitesse d'attaque. C'est quoi le plus intéressant? Vas-y, je vais mettre sur lui. Et on va économiser. Là on en a un autre qui okay. Swift with vengeance. Alors ce qu'on va prioriser je sais pas. Je vais réfléchir. Franchement, pour le peu que j'ai, ça marche pas mal. J'ai 4 séries de victoires, ok. Vas-y, on va up, on va mettre ça. Ça, on va pouvoir récupérer un PV. Bon, c'est pas énorme, mais bon, pourquoi pas. Il m'en manquera les deux là que j'ai pas encore mis. Ça fait 2, 4, 6. J'atteigne au moins 8 emplacements. C'est vrai, mais c'est bon. Stand strong, brothers and sisters. Sigma is with us. Maintenant, le top, c'est que je puisse améliorer. Ah, ça coûte 1. Je vais améliorer mes persos, mais pour l'instant, je peux pas. Là, j'en ai 2. Ah. Ça n'a pas marché. Donc là je suis à 65 PV, normalement je récupère un PV. Et
Ok, je suis à 56. Ok, c'est nickel. Nice, nice. Bon, je suis encore dernier, malheureusement, j'ai pas le choix. Ouais, mais j'en ai déjà un. Non. Du coup, initié avec le buff obtient 10% de tous les stats. Si je mets ça sur lui, ça n'a aucun intérêt. On va mettre ça sur quelqu'un d'autre. Bon, là, je me suis fait défoncer. On va mettre ça. C'est pareil lui aussi, non? Enfin, je pense qu'on va mettre ça sur lui. Aïe 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 aïe. Bon, on est large encore hein, mais voilà. Là les deux sont à 22 HP, donc 15 HP et 25. Lui il économise de fou, donc je pense qu'on va faire pareil. On va attendre encore un petit peu. Au prochain round on va up. Et on va mettre lui. Déjà si je perds contre deux joueurs, alors le troisième c'est mal barré là. Donc je vais devoir up ma taille de l'équipe. 13. Oh, ça pique. Vas-y, on va se bouger. Alors attends. On va mettre lui. Voilà. Ah, il joue pas à distance lui? Si, il a distance. Avec lui ça marche. Bah, il y a des bugs de texture avec ce perso là, hein. Je sais pas ce qu'il a mais. Personally chosen by Sigma. Vas-y, on va rush. Voilà, hop. On a 30% de chance de faire une double attaque. On a le joueur se soigne, vitesse d'attaque, 5% de chance que les ennemis s'attaquent entre eux. Lord of Vermin, yes, yes.
Bon, rien n'est encore joué. On peut encore. Et je suis encore dernier. Oh là 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 là. L'unité avec le buff est dupliqué. Ouais, ça dépend si je peux. Hop. On va up qui? On va up. J'ai envie de up lui. Dégâts, 2000 dégâts, 1500. C'est qui qui arrive? Je vois pas le nom du perso. À 26, je sais pas quoi. Strong, ah, bah c'est lui, ok. Est-ce que je l'ai elle? Ouf. Non, non, c'est pas le même ça. You will pay dearly for your transgressions. J'ai qu'un perso niveau 2. Ce serait bien que je... Ah, ils sont morts. Ah, ben je suis contre lui. Ah merde. Est-ce que je vais le win? C'est ça le problème. Si je le win pas. Ok. Ok, ok. Rien n'est perdu. Et lui, je peux le up, c'est parfait. On bouge pas, on laisse comme ça. On est très bien. Ah, c'est déjà fini? Ah ouais, ok. Putain, je les ai bien eu. Ok. Bah, c'est parfait, c'est nice. Et voilà les gars, c'était Warhammer Age of Sigmar Soul Arena. J'espère que ça vous aura plu. Donc si vous voulez télécharger le jeu, il est disponible sur Steam. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, à plus, ciao.